s'attendait éventuellement à avoir un peu plus de problèmes de communication avec les enfants, du fait qu'ils aient vécu dans la rue, du fait qu'ils aient vécu des choses assez dures. On s'est très vite rendu compte que c'était des enfants pleins de vie, qui étaient intéressés par plein de choses et qui avaient le besoin d'apprendre. De l'atelier photo est d'abord venu de Maurice, directeur du centre d'échange culturel franco-rwandais. Bien sûr, c'est financé par l'ambassade de France. Et nous sommes rendus compte que pour les enfants, ça peut être une occasion de s'exprimer, de faire ressortir ce qu'ils ont en eux. C'est aussi une occasion aussi d'un apprentissage nouveau. Et ça leur redonne encore confiance. Parce que l'atelier photo qui a duré 2 semaines, les enfants étaient timides au départ. Mais on voit vraiment qu'ils se sont exprimés, qu'ils ont pu... Il y a même, je dirais que c'est un cheminement psychologique qu'il y a eu avec nos enfants. Kuko nabonaga abandi bafotora nkabona ibyiza. Ikintu nabonye numva nkunda mu buzima ni ugufotora. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient concentrés et qui ont sorti déjà de belles images. Et on espère que ça va continuer comme ça et que la progression va aussi évoluer et qu'on va arriver à sortir de très bonnes images avec tous les enfants. Le centre culturel nous a demandé éventuellement si on pensait qu'à la fin du stage, on pourrait faire une projection des images, voire une exposition photo des enfants. À l'issue de cette résidence, je voulais remercier les différents acteurs qui ont participé à ce travail avec les enfants de la rue de Kigali. Tout d'abord, les encadreurs de Fidesco, avec qui nous avons eu d'excellentes relations, aussi bien au niveau du montage que du suivi de cette résidence. Remercier Laurent et Marie, les deux formateurs qui se sont déplacés ici sur Kigali pour la qualité de leur travail. Et puis surtout remercier ces enfants que j'ai pu voir. J'ai vu des enfants heureux, j'ai vu des enfants qui s'étaient appropriés un nouvel outil, des enfants qui nous ont donné un résultat, si vous voulez, de leurs travaux qui est allé bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer, à savoir de superbes photos. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec le directeur de Fidesco Rwanda, nous avons décidé de monter une exposition des travaux des enfants. Il devrait y avoir 28 photos qui seront présentées en décembre prochain à la résidence de notre ambassadeur de France.